Il fait partie du groupe Les Satiriques. Pierre-Luc Gosselin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans Les Satiriques? Satiriques, c'est un duo. On fait de l'humour multimédia, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du stand-up traditionnel. On interagit avec des vidéos, c'est qu'on est moitié cinéaste, moitié humoriste sur scène. Vous vous appelez Les Satiriques, vous faites une satire sociale? Oui, c'est par rapport à notre sort d'humour. C'est pas de l'humour politique, c'est pas de la satire sociale, mais c'est la satire où est-ce qu'on se moque plus de la parodie. Donc, la satire dans le sens de parodie, comme on peut parler des comédies satiriques, qui sont les parodies de gens qui niaisent justement un style précis. Donc nous, ce qu'on fait, on rentre dans la télévision, puis on parodie des émissions connues, des films connus, des satiriques. Vous faites partie, vous servez donc du multimédia. Oui, beaucoup, beaucoup. Moi, je proviens, les deux, on étudie en cinéma. On n'a pas étudié à l'école de l'humour comme 90% des gens qui font de la scène. C'est vrai qu'on a une approche qui est beaucoup plus, justement, cinéma, nouveau média, multimédia. Quelles sont vos tâches dans le groupe? Est-ce que c'est bien défini ce que vous faites et puis ce que votre compagnon, votre collègue fait? C'est important de dire qu'on fait tout nous-mêmes, donc on prend toutes les tâches. Moi, j'étudie en cinéma, lui étudie en scénarisation, en théâtre, tout ça. Comment on se partage les tâches? C'est que je fais toute la partie montage, effets spéciaux, visuels. Je fais tous les visuels, direction photo. Lui, il fait toute la partie son. Il est musicien du métier, donc il fait toutes les drames sonores. Il fait toute la musique, puis ensemble, on fait les scénarios et on est les acteurs. Parce que vous êtes en plus deux comédiens. Oui, on est deux comédiens. C'est ça, on a réussi à marier tous nos hobbies qui étaient dans le temps, qui sont rendus notre métier, c'est-à-dire justement le cinéma, la musique et la scène. Oui. Quels sont les spectacles auxquels vous allez participer au Festival Juste pour rire? On va participer cet été le 10, 11 et 12 juillet au Gala des Visions au Saint-Denis, et on va animer le 13 juillet la soirée Comédia, qui est une soirée court-métrage, qui va être le meilleur court-métrage des 5 dernières années à travers le monde, un best-of. Vous allez l'animer? Oui, on va l'animer. J'ai entendu tout à l'heure dire que Patrick Masbourian aussi faisait ce genre d'animation. Oui, c'est ça. Il y a Patrick Masbourian, Alexandre Barrette, Billy Tellier, qui sont deux autres humoristes, Patrick Masbourian, animateur, chroniqueur, qui vont avoir chacun leur soirée pour animer et mettre leur petit ingrédient secret dans les soirées. Allez-vous faire également des extraits de votre spectacle? Oui, également. On va faire une version. On fait une version de 8 minutes pour le Gala Juste pour rire. Et pour la soirée comédienne, on va pouvoir se donner plus à fond et donner un 15 minutes de notre matériel parce que justement, c'est moitié cinéma et moitié scène. Donc, on peut aller dans les sortes de soirées différentes comme ça. Nous serons là. Merci beaucoup, Pierre-Luc Gosselin. Merci, à la prochaine.